Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je consacrerai cette leçon aux avancées de la physique de basse température où les phénomènes ondulatoires prévus par les lois de la mécanique quantique jouent un rôle crucial. Quand on diminue la température, on gèle beaucoup de degrés de liberté. Mais le système n'est pas pour autant entièrement figé. Dans certains cas, on donne au système la possibilité de développer des propriétés physiques nouvelles, souvent inattendues. Cette nouvelle physique voit le jour quand les lois de la mécanique quantique entrent en jeu. L'histoire des basses températures est une histoire relativement récente. En fait, les hommes de la préhistoire surent très tôt fabriquer les chaux en maîtrisant le feu. En revanche, au début du XIXe siècle, personne ne fabriquait le foie. Dans ce transparent, on voit une des premières expériences sur la liquéfaction de l'oxygène obtenu par Raoul Pictet, ici à Paris, en 1877. Mais c'est avec la liquéfaction de l'hélium, obtenu à l'université de Leiden, en Hollande, en 1907, qu'on peut dater le début de la physique des recherches sur les très basses températures. L'hélium est un gaz très léger, et sa liquéfaction se produit à des températures extrêmement basses, quelques degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. Si on abaisse encore sa température, l'hélium ne solidifie pas. L'hélium a en effet la propriété remarquable d'être le seul système de la nature qui demeure liquide même à température nulle. Cette propriété résulte des effets quantiques qui tendent à délocaliser les atomes et qui agissent donc comme des ennemis de la cristallisation. En 1924 et 1925, deux articles historiques furent publiés dans deux revues allemandes. Ces deux publications fixent le début de l'histoire de la condensation de Bose-Einstein. Ici, on voit le papier de 1924 du physicien indien Bose sur la description statistique des photons, qui sont les quanta de la lumière. La note finale fut écrite par Einstein, qui était le rapporteur du papier. Dans cette note, Einstein annonce qu'il aurait généralisé les deux de Bose au gaz atomique. Effectivement, quelques mois après, Einstein publia ce papier sur la statistique quantique des gaz atomiques et introduit pour la première fois la notion de condensat, ici soulignée en rouge. Les propriétés quantiques de l'hélium furent découvertes d'abord dans l'expérience de Leyde en 1927, qui avait mis en évidence le comportement anormal de la chaleur spécifique en dessous d'une certaine température. 10 ans plus tard, les expériences d'Allen et Meissner et de Kapitsa ont montré que, dans le même domaine de température, l'hélium perd sa viscosité.
Capizza introduit le nom superfluide pour qualifier cette nouvelle phase de la matière. L'effet Fontaine, ici montré, est une conséquence spectaculaire de la superfluidité. C'est peu après la découverte de la superfluidité que le physicien Fritz London eut l'intuition de relier le comportement superfluide à la condensation de Bose-Einstein, phénomène qui avant n'avait pas encore été considéré sérieusement par la communauté scientifique. Ici, on voit la publication de London, à l'époque chercheur de l'Institut Poincaré à Paris. Après la publication de London, plusieurs articles furent publiés sur la théorie de la superfluidité. Je pense en particulier aux articles de Tissa, qui a travaillé ici au Collège de France, et de Landau, et aussi sur la condensation de Bose-Einstein. Je pense à Bogoliubov, Penrose et Onsager. Parallèlement, les études expérimentales sur l'hélium devirent de plus en plus sophistiquées. Mais la théorie de la condensation de Bose-Einstein, développée principalement pour un gaz idéal ou quasi idéal, ne pouvait pas donner des prédictions quantitativement correctes pour l'hélium superfluide. En fait, dans l'hélium, la condensation de Bose-Einstein est masquée par les fortes interactions. Et même à l'heure actuelle, on n'a pas encore une preuve directe de l'existence de la condensation de Bose-Einstein dans ce système. Pour bien comprendre la physique de la condensation, il faut donc réaliser des gaz très dilués où les interactions sont beaucoup plus faibles. Cela est devenu possible seulement récemment, grâce aux nouvelles techniques de la physique atomique. Il est utile de représenter sur une échelle logarithmique les différentes températures d'intérêt. L'usage d'une échelle logarithmique se révèle indispensable pour réunir toutes ces températures tellement différentes sur une seule figure. On voit d'abord que la température de notre vie quotidienne, la température de l'ébullition de l'eau, de la cristallisation de l'eau, sont beaucoup plus proches, finalement, de celles de la surface du Soleil que des températures des gaz piégés. Cette figure suggère donc les difficultés formidables que les physiciens ont dû franchir pour réaliser la condensation de Bose-Einstein. J'ai aussi indiqué ici la température de Titan, le satellite récemment découvert, exploré pardon, par la mission d'Huygens. Bien que Titan soit très froid à l'échelle de la température de notre vie quotidienne, sa température est encore trop haute pour la physique des gaz quantiques. On peut donc se poser quelques questions. Que se passe-t-il quand la température devient très basse? Comment réalise-t-on ces basses températures? Que voit-on dans les expériences? Dans les prochains transparents, je vais répondre à toutes ces questions. Aux basses températures règne la mécanique quantique. Selon l'hypothèse de De Broglie, la mécanique quantique associe une onde à chaque particule. La longueur d'onde de De Broglie est fixée par la constante de Planck, la constante fondamentale de la mécanique quantique, et par l'impulsion de la particule. Donc, la longueur d'onde devient plus grande lorsque la vitesse des atomes diminue. Puisque la constante de Planck est très petite,
On comprend qu'en général, les valeurs de lambda sont aussi très petites. Sauf si on arrive à décroître beaucoup la valeur de la vitesse. Considérons par exemple un gaz à température T. La théorie cinétique des gaz nous dit que la température fixe la valeur moyenne de la vitesse au carré et par conséquent la longueur d'onde moyenne des atomes. Par exemple, si on travaille à température ambiante, on trouve des vitesses très élevées, typiquement de l'ordre de 500 000 mètres par seconde. Ça, c'est une vitesse un peu supérieure à celle d'un avion de ligne. Et les longueurs d'onde correspondantes sont très petites. Elles sont en fait de l'ordre de la taille des atomes, et donc beaucoup plus petites que la distance moyenne entre les atomes dans les gaz. Mais si on descend aux températures relevantes pour la physique des gaz piégés ultra-froid, on trouve que la vitesse décroît beaucoup, c'est de l'ordre du millimètre par seconde, et la longueur d'onde devient plus grande. En particulier, on trouve que quand la température tend vers zéro, la longueur d'onde de De Broglie devient comparable à la distance moyenne entre les atomes. Dans ces conditions, les atomes se comportent comme des ondes et perdent leur identité. Cela est une des conséquences importantes de la mécanique quantique. Nous avons désormais tous les outils pour comprendre l'idée qui est la base de la condensation de Bose-Einstein. À haute température, les longueurs d'onde sont très petites et les atomes se comportent comme des boules de billard. En réduisant la température, les effets ondulatoires deviennent de plus en plus importants. Et au-dessous d'une certaine température, appelée température critique, on voit qu'une fraction macroscopique d'atomes va occuper la même onde de matière, appelée aussi fonction d'onde du condensat. À T égale 0, à température nulle, toutes les ondes se dissolvent dans cette onde géante de matière. Pour réaliser la condensation de Bose-Einstein dans les gaz dilués, il faut travailler dans des conditions extrêmes qui sont devenues accessibles grâce aux avancées récentes de la physique atomique. Il s'agit des techniques de piégeage qui permettent de garder les atomes loin des parois et de les manipuler par des champs électromagnétiques. Il s'agit des techniques d'ultravide qui réduisent les collisions avec les autres atomes chauds. Il faut travailler avec des gaz très dilués pour interdire la formation de molécules et d'agrégats. Les densités typiques sont plusieurs millions de fois inférieures à celles des gaz ordinaires. Par conséquent, pour voir les effets de la condensation de Bose-Einstein, il faut travailler à des températures ultra basses. Pour réaliser ces températures, on a développé de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes de refroidissement dont je vais parler dans les prochains transparents. Une technique fondamentale de refroidissement est le refroidissement laser. Le principe de cette méthode est schématisé dans ce transparent où on voit un faisceau laser qui vient de la gauche et un autre qui vient de la droite. La fréquence du laser est sur le rouge de la transition atomique,
Ça veut dire que la valeur de la fréquence est plus basse que la valeur de la fréquence interne des atomes. Par conséquent, les atomes qui se déplacent vers la gauche dans ce cas-là, donc qui se déplacent dans la direction opposée au faisceau laser, hein, entrent en résonance par effet Doppler hein, et absorbent les photons. Ils les réémettent ensuite avec une probabilité égale dans les deux directions. Il en résulte un amortissement de vitesse et par suite le refroidissement du gaz. Avec cette méthode, on arrive à réaliser des températures de l'ordre de quelques dizaines de microkelvin. Ce n'est pas encore assez pour voir paraître la condensation de Bose-Einstein. Pour refroidir encore plus, les expérimentateurs ont développé une méthode de refroidissement supplémentaire appelée refroidissement par évaporation. Dans cette méthode, les atomes les plus énergétiques sont éliminés du piège par des transitions radiofréquences, ce qui conduit au refroidissement du gaz après thermalisation. C'est le même mécanisme qui détermine, par exemple, le refroidissement d'une tasse de café lorsque on souffle dessus. Cette image montre un dispositif typique utilisé dans les laboratoires. On voit ici le laser, la cellule avec l'ultravide, les bobines qui génèrent les champs magnétiques de confinement et de piégeage. Des dispositifs semblables sont utilisés dans tous les laboratoires où on travaille avec les gaz ultrafroids. Finalement, en 1995, en utilisant les nouvelles techniques de piégeage et de refroidissement, les expérimentateurs ont produit le premier condensat de Bose-Einstein. Cette image est une des premières images de la condensation obtenue au laboratoire de Gila à Boulder, en Colorado, dans un gaz d'atome de rubidium. La condensation fut, dans la même année, réalisée aussi au MIT sur le sodium. Cette image montre l'effet de la condensation. Après avoir refroidi le gaz, on coupe les pièges magnétiques et le gaz rentre en expansion. L'expansion est importante pour pouvoir prendre des images du gaz avec les lasers. À haute température, la distribution de densité observée a une forme molle. Mais aux températures plus froides, on voit apparaître un pic très pointu. Ce pic est dit aux atomes longs et initialement concentrés au centre du piège. Ce sont les atomes du condensat qui peuplent l'onde macroscopique de matière. Dans ce transparent, on voit très clairement, dans l'image centrale, la formation d'une structure bimodale, typique dans le profil de densité, qui traduit la coexistence du condensat, ici reproduit en rouge, et de la partie thermique, ici indiquée en bleu. Dans ces manips, la température du gaz est mesurée grâce au comportement du profil densité dans les ailes de la composante thermique. À partir de ce type d'image, on peut extraire la fraction d'atomes qui occupe le condensat de Bose-Einstein et mesurer ses variations en fonction de la température. La courbe montre un comportement très clair. Au-dessous de la température critique, la fraction d'atomes dans le condensat est finie.
au-dessus, elle vaut pratiquement zéro. La courbe montre donc une preuve très nette de la transition de phase associée à la condensation de Bose-Einstein. Après la réalisation de la condensation de Bose-Einstein en 1995, le domaine de gaz ultrafroid s'est développé à un rythme croissant. Il implique des centaines de chercheurs provenant de différents domaines scientifiques, comme la physique atomique, la physique de basse température, l'optique non linéaire, la matière condensée, la physique nucléaire, la mécanique statistique, l'information quantique. À l'heure actuelle, on compte typiquement 1000 publications par an sur ce sujet. Et environ 40 laboratoires sont maintenant en mesure de produire des condensats de Bose-Einstein. L'effervescence de ce domaine de recherche fut reconnue par l'attribution des prix Nobel en 1997 à Steve Chu, Claude Quintanugi et William Phillips for development of methods to cool and trap atoms with laser light. Et 4 ans après, en 2001, à Eric Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl Wieman for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms and for early fundamental studies of the properties of the condensates. Pourquoi la condensation de Bose-Einstein est importante? Il y a plusieurs raisons qui justifient le grand intérêt suscité par les recherches sur la condensation de Bose-Einstein. Il s'agit d'abord d'un paradigme de la mécanique statistique. En fait, la condensation de Bose-Einstein est la seule transition de phase qui a lieu même en absence d'interaction, résultant uniquement des effets quantiques. Deuxièmement, les études sur la condensation de Bose-Einstein ont permis d'introduire de nouveaux concepts fondamentaux, comme l'ordre à longue portée, la rupture spontanée des symétries, concepts qui jouent un rôle important dans plusieurs domaines de la physique, comme la superfluidité, la supraconductivité, la physique des particules. En plus, dans les gaz dilués, on peut avoir une description exacte des effets des interactions. Et on a aussi la possibilité unique de manipuler les forces interatomiques et les conditions de piégeage. Dans la deuxième partie de ma leçon, je montrerai quelques propriétés importantes des condensats de Bose-Einstein. La majorité de ces propriétés est bien décrite par l'équation de Gross-Pitayesque. Cette équation, dérivée en 1961, décrit le comportement de l'onde macroscopique de matière dans l'espace et dans le temps. Il est ici intéressant de souligner les analogies entre l'équation de Gross-Pitayesque et les équations de Maxwell, qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques. Après les papiers historiques d'Einstein de 1905 sur l'effet photoélectrique, dont on fête cette année le centenaire, on sait que la structure corpusculaire des ondes électromagnétiques est donnée par les photons. En revanche, la structure corpusculaire de l'onde de matière décrite par l'équation de Gross-Pitayesque est donnée par les atomes.
On retrouve donc un parallélisme important entre la physique des photons dans la lumière et la physique des atomes dans les condensats. L'équation de Gross-Pitayeschi prend en compte les forces entre les atomes par un terme de champ moyen non linéaire. On retrouve donc aussi des analogies importantes avec les phénomènes de l'optique non linéaire. Parmi les propriétés des condensats de Bose-Einstein, on peut identifier des phénomènes importants dus aux interactions, comme la propagation des sons, les oscillations collectives, la propagation des solitons. D'autres phénomènes dépendent plus directement de la nature cohérente et ondulatoire de ces systèmes. Je pense aux effets d'interférence et à la possibilité de réaliser des sources cohérentes d'atomes qui sont l'analogue du laser. C'est la raison pour laquelle on a introduit le nom séduisant de laser à atomes pour décrire ces systèmes. Enfin, il y a des propriétés qui relèvent de la nature superfluide et qui mettent en jeu à la fois les interactions et la cohérence des condensats. Parmi ces propriétés, il faut mentionner l'absence de viscosité, l'existence de tourbillons quantiques, l'effet Josephson, la transition de phase superfluide isolante. Dans les prochains transparents, je vais illustrer seulement les propriétés indiquées avec une flèche rouge. Ce transparent montre l'oscillation collective d'un condensat. On voit très bien les changements de la forme du condensat au cours du temps. Dans ces images, prises à différents intervalles de temps consécutifs, l'accord entre la théorie et l'expérience est remarquable. Il est aussi intéressant de souligner l'analogie entre les oscillations du condensat et les modes collectifs des noyaux atomiques. En ce qui concerne la nature ondulatoire des condensats, les expériences sur le phénomène d'interférence sont sans doute les plus spectaculaires. On peut faire l'analogie avec les motifs d'interférence qui ont produit dans l'eau grâce à des ondes indépendantes qui se recouvrent au cours du temps. Dans les gaz ultrafroids, on produit d'abord deux condensats séparés. Après la coupure du confinement, les atomes s'étalent et les fonctions d'onde des deux condensats se recouvrent en produisant des effets d'interférence bien visibles. Mais dans les dernières années, on a fait un effort spécial pour mettre en évidence surtout les propriétés superfluides des condensats de Bose-Einstein. Parmi les propriétés plus spectaculaires des superfluides, il faut mentionner que ces systèmes ne sont pas capables de se mettre en rotation sinon via la formation des tourbillons quantiques. Ces tourbillons sont comme des petites tornades et peuvent être produits, par exemple, en mettant en rotation les pièges confinants. Dans cette image, prise à l'École normale supérieure ici à Paris, on voit qu'on est capable de bien maîtriser la production des tourbillons. Ici, on compte jusqu'à 13 tourbillons. Dans les images en bas à gauche, ici, on voit par comparaison les tourbillons quantiques
obtenue dans l'hélium superfluide, dans l'expérience fameuse de Packard en 1972. Il est maintenant possible de produire des condensats avec des centaines de tourbillons. Ces systèmes, c'est une image prise au laboratoire de Gilles à Boulder, ces systèmes forment une structure très régulière et sont appelés réseaux d'Abrikosov, par analogie avec les réseaux des lignes magnétiques produits dans certains supraconducteurs. Là, on retrouve donc une analogie très intéressante entre l'effet de la rotation dans le superfluide et l'effet du champ magnétique dans certains supraconducteurs. Une direction de recherche qui s'est développée avec succès dans les dernières 3-4 ans est celle de la physique de gaz ultrafroid piégés dans les potentiels périodiques. Ces potentiels, ici indiqués en noir, sont produits par des faisceaux laser. Et les systèmes ainsi fabriqués sont appelés cristaux optiques. Donc, ce sont des cristaux où la localisation n'est pas produite par les interactions entre les atomes, mais elle est produite par le champ laser qui produit justement le potentiel périodique. Si la puissance du laser n'est pas très grande, et donc l'auteur de la barrière qui sépare deux puits proches voisins est faible, les fonctions d'onde des atomes confinés dans ces puits se recouvrent, et le système globalement se comporte comme un superfluide. En revanche, si la puissance du laser est grande, le recouvrement est très petit et le système perd ses propriétés superfluides. Il se comporte plutôt comme un isolant. La transition entre la phase superfluide et la phase isolante fut mise en évidence dans cette expérience remarquable faite à Munich en 2002. Les effets d'interférence qui sont montrés dans cette image et qui sont mesurés après expansion apparaissent quand la puissance du laser est faible et le système est superfluide. En revanche, les effets d'interférence disparaissent quand la puissance du laser est grande et le système est dans la phase isolante. Le phénomène de la condensation de Bose-Einstein, dont on a parlé jusqu'à présent, est possible seulement pour certains atomes, dites les bosons. La nature divise les particules en deux classes. D'un côté les bosons et de l'autre côté les fermions. Les fermions se comportent différemment par rapport aux bosons, à cause du principe d'exclusion de Pauli, principe qui interdit à deux fermions d'occuper le même état quantique et donc la même onde de matière. Les différences entre les bosons et les fermions apparaissent claires quand on baisse la température et on va un peu plus les états les plus bas en énergie du système. Les fermions ne peuvent pas donner lieu à la condensation de Bose-Einstein. Cependant, les paires des fermions peuvent former des molécules qui sont des bosons à cause des règles d'addition du moment cinétique prévues par la mécanique quantique. Et ces bosons peuvent condenser. Et l'effort de ces dernières années
a été de produire ces molécules et prouver qu'elles peuvent condenser. Et dans cette image, ça c'est l'une des premières images, sinon la première, obtenue en 2003, où on voit de manière très claire les mêmes effets qu'on a dans les bosons traditionnels, c'est-à-dire la présence d'un pic en densité très pointu à température basse. Maintenant, les études sur les gaz de fermions sont devenues très populaires. Et plusieurs équipes expérimentales et théoriques sont engagées dans cette nouvelle direction de recherche qui entraîne en plus des liaisons interdisciplinaires supplémentaires par rapport à celles de la physique des bosons, en particulier avec la physique de la superconductivité et la physique nucléaire. Quelles sont les perspectives futures et les nouvelles frontières de la recherche dans les domaines des gaz ultrafroids? De manière très générale, on peut prévoir des développements importants sur le régime fortement corrélé et sur les phénomènes de cohérence. On vient de mentionner la physique des gaz de fermions. L'étude des phénomènes superfluides dans ces systèmes est à l'ordre du jour. Il manque encore, toutefois, une signature claire de la superfluidité. On peut prévoir aussi une activité intense dans le mélange des fermions et des bosons, et plus généralement dans le mélange de deux types d'atomes différents, avec la formation de molécules portant un moment dipolaire électrique. On peut prévoir des recherches nouvelles dans les gaz à grande vitesse angulaire. Ces recherches ont le but d'exploiter les propriétés typiques du régime Hall quantique. Les études des systèmes de basse dimensionnalité sont déjà très populaires et on peut prévoir d'autres développements importants dans les prochains futurs. Finalement, la physique des gaz ultrafroids dans les pièges périodiques, les cristaux optiques, est très prometteuse pour la grande variété fournie par ces systèmes et par ces configurations, et pour la possibilité d'exploiter des situations typiques de la physique des solides. En ce qui concerne les effets de cohérence, on prévoit une activité intense en interférométrie atomique, avec la réalisation de senseurs ultrasensibles à utiliser en métrologie, mais aussi dans la production de sources cohérentes intenses d'atomes, les lasers atomes, qui pourraient avoir aussi des applicatifs intéressants. On peut enfin s'attendre à des développements importants dans la direction de l'information quantique, et en particulier à la réalisation de configurations nouvelles comme le chat de Schrödinger, l'étude des phénomènes d'intrication et la réalisation de calculs par des algorithmes quantiques. Mais, comme souvent dans la progression des sciences, le futur réserve toujours son lot de surprises. Dans ces derniers transparents, je voudrais brièvement mentionner mon itinéraire et mon histoire personnelle. Après mes études à la Scuola Normale Superiore de Pisa, encadré par Luigi Arialdo Radicati et Bruno Tuschek,
J'ai commencé ma carrière scientifique en physique nucléaire sous la direction de Renzo Leonardi à Trento et de David Brink à Oxford. Puis, grâce à mes collaborations avec Enrico Liparini, Giuseppino Orlandini et Marco Traini. Dans mes recherches récentes dans les gaz ultrafroids, j'ai souvent utilisé les méthodes théoriques développées en physique nucléaire. Mes travaux ultérieurs effectués au CE, je pense tout particulièrement aux collaborations avec Oriol Bouygas, Xavier Campi, Jacques Trenner et Dominique Vautrin, ont renforcé mes connaissances en physique nucléaire, mais ils m'ont aussi ouvert de nouvelles frontières, comme par exemple dans le domaine de la physique des agrégats. Ma première interaction avec la physique atomique date de 1986, grâce à une collaboration avec Franck Laloé et Pierre-Jean Nacher à l'École normale supérieure de Paris, sur les gaz d'hélium 3 polarisés. Mais le changement le plus important s'est opéré en 1988, après la rencontre à Moscou avec Lev Pitayevski, la première d'une longue série de collaborations sur le phénomène superfluide. C'est dans ce cadre d'intérêts et de collaborations interdisciplinaires que l'aventure de la condensation de Bose-Einstein a commencé en 1995. Je tiens à remercier mes collaborateurs de Trento. Je pense en particulier à Franco Del Fovo, Stefano Giorgini et Lev Pitayevski. La liste des collaborateurs des autres laboratoires est trop longue pour être détaillée de manière exhaustive. Je me contenterai de mentionner Massimo Inguscio de l'Université de Florence et Jean Dalibard de l'École normale supérieure de Paris. Je voudrais enfin remercier vivement Claude Quintanucci, professeur au Collège de France, pour le soutien continu qu'il m'a apporté dans ces dernières années. Et enfin, un remerciement à vous tous pour votre attention.